I mua i te mum e if a tupuhia e te tiro tiro o te whea paru paru ia te ro o ohie nohia i te mau ati whino te ia mum e. Tā mau i te paruru vaha, ia here atu oe e wharere i te ia whea, e af atura mai tei i te maurare a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mā mai tei narima i te mau hora atua, turu ohuru te toni i te mauru, whaatura i te atear a hoi metera e o ratu. I roto i te utuawhere, e i rapai mai te utuawhere. Mā i te te mau vahai puvai vai, a tā mā pinepine i te mau vahai e amuia i te utuawhere. Whaatupu i te mau wharere a fufa, a i tai rapia e atu. Whaaiti te mau tere na rapia, hi ora, a haere i te wharetua no ratu. Te ora ara oi pia iso i te whea paruparu, e mea fufa i a hapi i te ia mau ravi a paruru, ara i a wha ohipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TN TV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour parler de la fin des sacs plastiques. En 20 ans, nous avons produit autant de plastique que dans toute notre histoire. Aujourd'hui, l'humanité est menacée par le monstre qu'elle a créé. Comme dans le conte de Frankenstein. Sauf que là, ce n'est pas une fiction. Le monstre, cette fois, est bien réel. Il se cache dans nos bouteilles, dans nos vêtements, dans nos bâtiments, dans presque tous les objets que nous utilisons. Il met en danger nos existences, nos mers et nos océans. Et si nous ne voulons pas que l'histoire finisse mal, il va vite falloir la changer. Le monde produit actuellement 400 millions de tonnes de plastique par an, dont plus des trois quarts deviennent presque immédiatement des déchets. Moins de 20% sont recyclés. Résultat, chaque année, 100 millions de tonnes finissent dans la nature et 8 millions dans les océans. Presque tous les organismes marins, du plancton aux baleines, sont déjà contaminés. Pollution des sols, des rivières, dégradation des coraux, émission de CO2, la liste des menaces s'allonge à n'en plus finir, à mesure que l'espoir se réduit. Vous rappelez-vous que bientôt tous les sacs plastiques seront interdits aux Fénois, adoptés à l'unanimité par les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française le 14 mai 2020, la loi du pays relative aux dispositifs spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique prévoit à partir du 1er janvier 2022 d'interdire tout type de sac en plastique et tout type de sac possédant une fenêtre en plastique destinée à l'emballage de marchandises dans l'espace de vente. Ainsi, à partir de cette date, il ne sera plus possible pour tous les vendeurs, quel que soit le type de point de vente, de proposer des sacs contenant du plastique et destinés à l'emballage des marchandises. Et ne vous faites pas avoir par les sacs en plastique dits biodégradables et autres sacs en plastique compostables issus de végétaux. Ces derniers se basent sur la réglementation européenne inapplicable en Polynésie française et qui permet de conserver jusqu'à 10% de plastique dans le produit composté. Par ailleurs, ce type de plastique compostable nécessite souvent un traitement industriel qui n'existe pas localement. Au Fénois, la loi prévoit que les alternatives doivent obligatoirement être 100% biodégradables. Le mieux, au final, c'est de ne plus utiliser de plastique du tout. Bonne émission.
Comme pour le tabac, nous devrions être traités pour notre addiction au plastique à usage unique. Léger, pratique, facile à utiliser et surtout à jeter, le plastique à usage unique est partout dans notre vie quotidienne. Désormais, on nous le propose sans même l'avoir demandé. Il emballe même des produits déjà emballés dans du plastique. Et la crise sanitaire n'arrange rien. Une légende urbaine nous fait croire que des produits emballés dans du plastique seraient plus sains et nous permettraient d'échapper au virus circulant actuellement. Or, plusieurs études ont montré que ce même virus demeurait plus longtemps sur du plastique que sur du carton ou du papier, surtout si ces produits emballés sont à la disposition de tous, libres d'être tripotés avant achat. Décidément, ce plastique à usage unique a la vie dure. Il a du mal à disparaître de nos vies, malgré le fait que tous, petits ou grands, sommes conscients de son impact négatif sur l'environnement. À partir du 1er janvier 2022, tous les sacs plastiques à usage unique devront disparaître du Fénois. Mais êtes-vous prêt pour cette révolution dans notre vie quotidienne ? Chaque semaine dans le JT Vert, je vous propose donc de faire un décompte qui nous mènera jusqu'à la fin des sacs plastiques en janvier 2022. Dans notre série Zoom Sur, je vous propose de revenir sur les 20 ans du tri des déchets. Au début de l'année dernière, nous avions rencontré Benoît Layerle, le directeur de Fénoama, qui nous racontait l'histoire du tri des déchets. Regardez. Effectivement, dès le départ, les personnes qui étaient à la tête de ce système-là ont tout de suite compris qu'il fallait former la jeunesse, qu'on n'allait pas avoir des résultats dans les 5 ans, mais qu'on allait avoir des résultats peut-être que dans 15 ou 25 ans. Comme tu le disais, on avait des animateurs qui passaient dans les écoles pour expliquer la bonne parole, avec des chansons, de l'animation. On a tout de suite ouvert nos installations aux visites. Les visites étaient possibles, sont toujours possibles. Donc, transparence totale, implication des gens. La communication a bien évolué, puis surtout s'est adaptée. Au départ, c'était que des spots télé, spots radio. Dernièrement, Internet, bien sûr, a révolutionné les choses. Le Facebook, voilà, les réseaux sociaux, les messages sont plus spontanés, directs, des fois moins préparés, moins lissés, mais voilà, on essaye tant bon mal an de faire tout ça. Le numérique, aujourd'hui, est accessible à tous, quasiment, donc on arrive comme ça à impulser une information très rapidement. Et pour terminer notre JT Vert, êtes-vous addict des réseaux sociaux et des jeux en ligne ? Voici Like and Follow, un court-métrage animé de Brent Forrest et Tobias Lage. C'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, qu'est-ce que le greenwashing ? Dimanche prochain, on vous parle de cette technique qui consiste à se faire passer pour ce qu'on n'est pas vraiment. Tous au vert, bleu ou blanc, c'est dimanche prochain dans le JT Vert.